Bonjour, frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré à la caille. Nous disons un grand merci parce que nous avons suivi. Merci pour la fidélité, nous, merci pour la confiance. Nous. Ça fait longtemps, plus qu'un an, que nous avons consacré à nous faire tomate broyée. Je vais jamais faire parce que je n'ai pas assez de monde qui te demandé. Qu'on a là, je n'ai pas suffisamment de monde qui demandé, je vais le faire pour nous. Pour nous faire tomate broyée, mais là, j'ai 1,4 kg de tomates. Moi juste retiré tête là, on petit nettoyage, me quitter l'entier hein. Et puis qu'on a même metté 2 tasses d'eau là-dedans. Qu'on a là, moi mettez couverture moi là-dessus. Qu'on a là, moi ouvert four moi, moi mettez four à 7.5, OK? Elle dit un petit peu dépassé la mi-temps. Qu'on a là, on va quitter le bouillir avec couverture pendant au moins 1 heure. Et puis après ça m'a venir pour montrer nous qui ça vous reste ça nous va le faire, OK? Là après yon, in, et après 30 minutes pendant que la bouillie, qu'on a qui ça moi fait, moi diminuer volume là, qu'on a la moi mettre là 3, qu'on a bal quitter le fait l'autre 30 minutes là, tranquillement, ça veut dire pour la seulement souiller, hein, avec toujours couverture encore, qu'on a bal quitter le fond l'autre 30 minutes. Une fois que il est temps écoulé, n'a moi fait mes fous moi, mes tomates là, après 1 heure de temps. Quand on a réalisé, on a fait un paquet de pots sous lui. Regarde ça, je vais le faire. Je vais quitter le refroidi pendant au moins un bon 30-45 minutes. Je vais quitter le refroidi. Ok? On a pour lever le poids et puis après ça, je vais continuer. Quand on a la tomate la fin fret là, on va quitter bien fret qu'on a la main là. Je vais passer le long girafe. Ou bien si tout. Ou bien, on va faire la ou même on va faire dans un blender. On a la, on va garder la poêle, on va faire un sous lui. Qui sorti n'a plus levé petit pois. Ça c'est lui même qui sent ces pot tomate là pour des vrais là. OK? Moi enlever tout ça yo. OK? Qu'on a là m'a prend quelques graines. Qu'on a fini retirer tout pour yo. Une fois qu'il bien retiré pour yo, qu'on a mal mettre dans petit bol, dans petit verre. Et voilà. Quand on a la moi prend girafe moins qu'on a la moi faire tomate broyée. Quand on a là ça me dit nous là qui très important si toutefois ou pas gain girafe qu'on nous on va faire dans un blender, dans blender on côté qui marque pils. Et dans pils ça qu'on va peser de temps en temps pour la voyer monter et puis qu'on a pour faire. Dans de l'eau moi te mettre à quitter des tasses là. L'elfine cuite là, on prend moitié de l'eau côté ça veut dire qu'il est capable de 3 quarts de tasse comme ça. Et voilà. Mani. C'est parfait ça. Mani. Et ça, tomate broyé, hein? Rien d'autre. Hein? On a déposé dans ça pour ça. Mani. Lorsque vous achetez une tomate broyée, rien d'autre si ça. Maintenant, regarde, c'est parfait là. Un vrai, vrai, vrai tomate broyée maison là, ok? Réussi, succès. C'est pas trop liquide, c'est pas trop épais, c'est parfait ça. Quand on a la gomme, on va dire que c'est très important, ça c'est au goût. Si toutefois ou même, ou voulez retirer pépin ou grenin ou car retirer grenin mais c'est pas important pour retirer grenin mais si ou même étant donné que c'est maison si vous voulez retirer grenin avant qu'on te mette le cuit là nous avons retiré pour vous mettre enlever tout pépin ou mais comme ça tomate là vient faire un pile perte. OK, ça fait quelques jours nous te demandé mais il a devant nous tomate broyée qu'on est capable de faire n'importe quoi vous avec ou qu'a fait sauce spaghetti avec ou qu'a fait n'importe quoi qu'on en fait vous mettez tomate broyée c'est qu'on s'en fait. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui t'a préparé une tomate broyée pour nous. Merci, au revoir.